Chantal Loyal est au Bénin depuis plusieurs jours. Comme chaque matin, elle se rend au centre Multicorps. La chorégraphe guadeloupéenne propose pour la première fois ici un atelier de danse autour de l'une de ses créations, cercle égal, demi-cercle au carré. Ça va ? En 4 jours, assistés de Delphine, les danseurs vont être initiés aux quadrilles en y intégrant leurs propres mouvements. Ce n'est pas simple et les conseils de Chantal ne sont pas de trop. Les hommes, c'est-à-dire vous avez toujours une espèce d'élégance et il y a la biguine ici. Et à chaque fois que vous allez croiser la dame, vous allez saluer. C'est autour vraiment des quadrilles de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et donc avec les danses africaines aussi d'ici, du Bénin. Donc on va essayer de tisser tout ça, ce mélange entre tradition et modernité. C'est une expérience nouvelle pour la plupart d'entre eux. Nouroudine, lui, a eu la chance de participer à un stage avec Chantal au Togo. C'est une expérience que j'ai voulu partager avec mes frères d'ici parce que voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai senti que mon corps a été cherché, a fait des recherches autres que ce que j'ai l'habitude de faire. Intégré dans le programme de la semaine de la danse, c'est à l'Institut français de Cotonou que la création sera restituée au public. L'heure est au dernier détail. Voilà, super. Jusqu'au bout, il faut apprendre les bonnes attitudes, les bons mouvements. Ça reste quand même une danse assez différente de ce qu'ils peuvent pratiquer. Donc je crois que c'était une découverte, un amusement et quelque chose de la joie de découvrir une autre manière de bouger. Et pareil pour le quadrille. Dernier briefing avant le spectacle et dernier conseil. Je sais que ce n'est pas votre musique, mais vous devez donner la même importance dans votre corps. Sur scène, les 15 danseurs se donnent à fond. 30 minutes de spectacle entre mouvement hip-hop, danse traditionnelle du Bénin et de Guadeloupe. Accompagnez la dame soulagée dans mes divins. Envoyez pour la chaîne à vos dames. Les spectateurs sont conquis. Ils ont fait un très bon travail pour ne pas dire c'est moi. D'avoir réussi à faire un métissage du quadrille traditionnel, de la danse hip-hop, des choses beaucoup plus traditionnelles du Bénin, je trouve que c'est un bouquet extraordinaire. Chantal Loyal est aux anges. Elle voit l'aboutissement d'un gros travail et d'un sacrifice financier pour que le projet se réalise enfin. Un super moment de bonheur, quoi, de pouvoir faire ce pont aussi toujours avec l'Afrique. Et franchement, les danseurs ont été super, ils se sont vraiment donnés. On a vraiment, comme ils disent, kiffé. Bientôt le retour sur Paris pour la chorégraphe, qui n'a qu'une idée en tête, revenir très vite en Afrique pour d'autres collaborations.